des garages du gouvernement, qui quand même reste le premier atelier de la République. Le président de la République a mis à disposition des équipements modernes. Et ces équipements modernes, pour les utiliser sur toute la chaîne de valeur, on a besoin d'être formé. Sur ce, nous avons décidé de faire venir certains partenaires, entre autres le département et un intervenant de la France, pour donner une certaine formation, une mise à niveau pour les techniciens qui évoluent sur toute la chaîne, à savoir les mécaniciens, les tauliers, les peintres, etc., etc. Et l'objectif recherché, c'est de faire la promotion de la compétence locale. Cela va dans la rectification institutionnelle prônée par le CNRD. Il faut vraiment donner la compétence locale, prôner la compétence locale créée à travers une bourgeoisie, parce que chacun doit vivre de son travail. Alors, le constat est que la plupart des travailleurs, la plupart des garagistes guinéens ne sont pas des garagistes, des mécaniciens de profession, c'est des hommes d'affaires qui viennent prendre nos travailleurs pour leur donner 500 000, 300 000 pendant qu'ils chargent des milliers de dollars les clients. Sur ce, il a été constaté que ces meilleurs garagistes sont les meilleurs techniciens sont des Guinéens, mais ils sont très mal exploités. Qu'est-ce que nous avons fait à notre arrivée? C'était de les rassurer qu'ils peuvent faire le travail. On les a donné une certaine formation. Aujourd'hui, nous couronnons les formations précédentes par cette mise à niveau. Je vous assure que nous avons les meilleurs mécaniciens de la République. La plupart même, les meilleurs mécaniciens n'ont jamais été à l'école. C'est pour cela que nous faisons cette formation pour qu'ils comprennent, pour qu'il y ait une certaine méthodologie. Le savoir quand même est là, mais la méthodologie du travail peut manquer. La durée de la formation, c'est quoi? Alors, c'est une formation continue. Pour un premier temps, ce sera pour choisir. Et nous comptons mettre en place un petit centre de formation. Et déjà, il faut le dire, on a quelques professeurs retraités de ce programme qui sont avec nous, qui nous donnent des coups de main pratiquement.